Il y a quelques jours, je vous ai dit que Titanfall était de retour en apportant le petit peu d'infos que j'avais, le petit peu d'infos que la communauté avait, puisque en vérité, on n'a pas énormément d'infos. Hein. Ce que j'avais dit, c'est que les serveurs de Titanfall sont réouverts et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est cool. Bref, à cela s'ajoute que désormais, la playlist de Game Mode spécial se met à jour toutes les semaines, un truc comme ça. Donc en fait, je vous avais dit qu'il y avait du Free for All et que c'était un nouveau mode de jeu, mais pas du tout en fait. Il y a un mode de jeu Free for All qui ensuite switch sur un autre mode de jeu avec des petites modifications comme dans d'autres jeux un petit peu à l'ancienne. Vous savez, le genre de jeu où où il y a une petite playlist avec des game modes qu'on connaît mais qui sont un petit peu modifiés. Et donc ils font en sorte que ça switch toutes les semaines comme si c'était au goût du jour normal. On dirait que les serveurs de Titanfall ne sont jamais arrêtés. Même il y a un truc en plus, je sais pas si c'est de l'humour de la part de Respawn ou de l'auto-foutage de gueule un petit peu, de l'auto-dérision. Mais avant, on pouvait faire des parties privées, mais c'était la bêta. Il y a plusieurs années, c'était en bêta. Donc maintenant, voilà, comme vous pouvez voir, je suis ravi de vous annoncer que désormais, ouf, ce n'est plus en bêta parce que quelques années se sont écoulées. Bon, c'est de l'ordre du même, mais ils le font eux-mêmes, c'est rigolo. Mais le vrai truc, le vrai sujet, en fait, ça reste Titanfall, mais c'est peut-être Apex. Ou alors, en tout cas, ça reste Titanfall, mais on va aller le chercher dans Apex, puisque les patch notes de la mi-saison 18 de Apex Legends nous laissent un code rempli de chiffres à la fin. Et donc ces codes qui sont composés uniquement de chiffres, en fait, ce sont des timestamps Unix. Sans rentrer dans les détails, ce que ça nous apprend, c'est qu'on est absolument sûr que ces codes-là sont en fait les dates respectives de la sortie de Titanfall 1, celle de Titanfall 2 et celle de Apex Legends. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, c'est juste des dates. On ne sait pas trop. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que il y a marqué dans les patch notes, il y a marqué incoming transmission subject Nessie. Et cette histoire de Nessie qui nous fait une espèce de transmission entre guillemets, j'en sais rien. C'est étrange puisque on se rappelle, il y a environ un mois ou deux, on parlait un petit peu de l'easter egg des Nessie dans le firing range, dans le stand de tir de Apex. Et aussi, il y a plusieurs années, il y avait certains bouts de map de Titanfall qui étaient glitchés. Et ce qu'on trouve à ces endroits, maintenant que les serveurs sont réouverts, ce sont des Nessie avec à côté un petit marteau et une tasse de café. Le genre de message qui crie, il y a quelqu'un qui bosse là-dessus. C'est obligé. La conclusion, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse sur Titanfall ou est-ce que Titanfall est réouvert, on en profite pour vous dire qu'on bosse sur des éléments de Titanfall ramenés dans Apex. Je sais pas. En tout cas, c'est forcément un petit peu plus spécial que d'habitude parce que les teasers de Apex Legends, généralement, même quand ils sont vraiment bien chiadés, bien travaillés, ils restent dans Apex Legends ou sur le site ou bref, voilà quoi. Le fait de faire un teaser sur Apex Legends et de passer par l'ouverture des serveurs de Titanfall pour faire un truc sur Apex Legends, je sais pas, je trouve ça peut-être un peu tiré par les cheveux. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, la vérité c'est que j'en sais pas plus que ça, je préfère vous apporter tous les éléments qui font qu'on peut se poser une question. Sans plus de simagrer, je vous laisse sur un gameplay plutôt sympa du jeu. J'espère que pour ceux qui doutent encore, ça vous aidera à trouver que Titanfall c'est vraiment le banger dont tout le monde parle. Il y a un petit côté peut-être un peu répétitif au bout d'un moment, mais quand il s'agit de tirer avec des armes qui font des flammes et des robots qui explosent, eh ben en vrai, c'est extrêmement bien réussi et c'est super cool, c'est trop fun. KSMV quoi ? Je sais pas où sont les ennemis. Je sais pas mec, je pense que je les ai tous tués là. Et là j'envoie mon titan. Hop, là je tabasse un mec. Là c'est la game la plus fast. T'as bassin de mec peut-être ? Quoi ? Non, non, vas-y, ça c'est pas. Là, j'ai envie d'apaiser mon cœur, tu vois, mais je peux pas. Là, je veux pas crier au bullshit ou quoi. Ouais, mec, c'est ça te cheat, hein, c'est ça. Hein. En fait, c'est ça, tu vois, genre, il a vu qu'il allait pas pouvoir gagner la game, mais dès le début, il a dit pas ok. J'ai entendu un crabeur et pas de kill. Ah, le crabeur est nul. Cringe un peu, ouais. Là, je crois que. Il va être expéditif, hein.
Oh salaud. Bah oui évidemment. Voilà, je parle de crabeur et le seul mec qui meurt par un crabeur c'est lui. Mec là je... Là c'est la game là. c'est incroyable là ce qui se passe. Est-ce qu'on est tombé sur... Elstar, mon dieu. Saut 2020. J'ai un peu l'impression que quand c'est la game pour toi, c'est pas la game pour moi. C'est bizarre. J'ai comme une impression... Ouais, ça peut arriver, hein. Parfois c'est ça. J'en ai marre. Il sait que je suis là, je sais pas comment il fait. Ah, peut-être qu'il m'a vraiment vu. Il cheat. Non, mais il m'a juste vu. Enfin, ça me saoule quoi. Avec son vieux crâne de merde. Il y a enfin un tuteur en face. Moi, je l'ai à 49%. Tu vois. Toi, t'as ton noyau, moi, j'ai pas mon titan. Hop, toi, t'es mort. Y'a moins que j'ai une batterie pour toi, attends, je la prends. De toute façon, c'est pas ma game. Ah ouais, je veux bien la batterie, ouais. c'est... J'arrive. Attends. T'es où? Vas-y, bouge pas. Je bouge pas. C'est bon. Ouais, merci, mec. C'est adorable. Enfin, 25€, s'il te plaît. Et mode Twitch, merci. Oh, j'ai vu un pilote voler au loin. Oh, mais y'a un renard lui, putain, c'est mignon. Hop, je suis en train d'aller. J'ai enfin mon titan. J'aurais dû garder la batterie pour cette game parce qu'apparemment, cette game c'est la game quoi. J'en ai marre. Vas-y, c'est l'heure de la car. Bah vas-y, hein, let's go la car. Y'a un tétan devant moi. Ok, bon bah là. Ah bon bah là. Quand il faut partir, il faut partir. Mais mec. Oh là, je l'ai massacré. T'as plus de titan là. Merde. On va larguer hein. Oh non. J'étais greedy. Hop, on se prend la batterie pour soi-même. Y'a un mec. Ah bah lui il va cramer hein. Votre titan est paré au déploiement. Oh, ma batterie frérot, voilà, s'il te plaît genre. Frérot. Non mais je suis trop greedy, je pourris ma game qui est cool. Tuez-le. Voilà, c'est bien mis en petite batterie. J'aurais pu me la mettre avant, mais bon, c'est définitivement pas ma game. On va peut-être rester avec tout le monde parce que sinon je sens que je vais faire one shot. Je sais ce qui va arriver. Je vais gagner. Oh, il s'est fait saloper lui. Oh non, là c'est fini pour moi. Oh, voilà, on fait le pilote, on fait le titan. Encore un? Non? Quel dommage. Oh, encore un là-bas. Ah, j'aurais pu phase en l'air, je suis trop vieux. Oh, j'entends le crabeur. Mais bon, mais c'est la panique de partout là. Allez, on le tabasse. Oui. Oh, merci mec. Tu m'as bien sauvé, je pense.
Voilà, c'est un petit peu la question de le fou la poule. Oh là là, j'ai tout rasé sur ce mec. Ah, Crabber Boy, il m'a raté. Je l'ai vu voler en fait, je lui ai mis un coup de poing mais il était déjà mort. Putain, une tique. Bah moi je sais pas que son jet fuse explosé quoi, c'est ça le problème. Je pensais pas que... C'est bon, je suis remonté. C'est peut-être pas tant ma game que ça mais en fait ça va. Ouais bah maintenant c'est plus ma game. Ok. Bon c'est plus ma game hein, t'inquiète. C'est peut-être ta game maintenant. Et full 50 moi là je suis désolé. Je l'éclate. Je vais voler une batterie. Je te donne la batterie. Je te donne la batterie que j'ai volée. Donne mon titan là-bas. En fait, j'ai pas de batterie. Ah. Bon, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ah, c'est un faucheur qui a tué mon titan, putain là. Ah d'accord. Ah ouais, je savais pas que t'étais dessus en fait. Et alors? C'est grave? Bah du coup je voulais monter dessus aussi. Ah bon, pff, tu sais. Du coup bah je suis mort. Allez. Bien joué. Et là normalement je le détruis. Allez. C'est ciao. Attention, largage de titan. Mais qui me tire dessus. D'accord. Ok. Bah stop mec. Putain. Ouais bien sûr. Bon mais allez. Qu'est-ce qui se passe là? Non, j'aurais dû retour phasique. J'utilise pas le retour phasique du coup, j'utilise rien. Bon. On les a un peu détruits hein. Tu crois? Ouais un peu hein. Continuez pilote, votre titan est bientôt prêt. Il allait chercher le vaisseau. Ah merde il part. Bah ouais. Ah mais ils sont tous morts de toute façon, ok boss. Ouais il restait un titan ouais. Wow, mec.